Salut à tous les amis, c'est Skrillex, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve sur le serveur Phoenix Rebirth. Ah merde. Est-ce que vous n'êtes pas sur Attack of the Skrillex Team? Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas sur Attack of the B Team? Mais pourquoi on n'est pas sur Attack of the B Team? Pourquoi est-ce que vous êtes en vanilla, surtout? Pourquoi on n'est pas sur Attack of the B Team? C'est quoi ce bordel? Explique. Tout de suite, Eldiamond, tu vas me le dire tout de suite parce que là ça va pas le faire longtemps. Non, c'est... non, toi tu l'as dit. C'est quoi ce bordel? Pourquoi on n'est pas sur Attack of the B-Team? Bon, la raison pour laquelle on n'est pas sur Attack of the B-Team, c'est très simple, c'est-à-dire que. En fait, on arrête. La première raison. La première raison qui est la plus facile à expliquer et qui est surtout la plus plausible. C'est que on paye un serveur, donc Attack of the B-Team, pour pouvoir y jouer. Ce serveur est bien trop cher pour ce qu'il donne, en fait. C'est pas compliqué. C'est-à-dire que ça coûte ultra cher. Et c'est ultra lag. Ça lag à mort. C'est assez chiant. Et j'ai pas vraiment un PC assez puissant pour... pouvoir supporter Attack of the B-Team. Je vais y arriver. Voilà, pour supporter bien Attack of the B-Team et pouvoir faire des trucs sympas, quoi. On arrête. Et puis la raison aussi, c'est parce que moi, je me suis désintéressé de Minecraft. Ça m'amuse plus. Et aussi. Du coup, j'arrête. Voilà. Et aussi, au niveau de. Comment ? Au niveau de... Voilà, donc quand on dit que c'est pas rentable, c'est que par exemple, on s'en sert pas la semaine. Tout voilà, simplement, en plus, car notre ami est en internat. Voilà, allez. Voilà, c'est... Voilà. Et puis, on est triste. Hein. Enfin, toi, je sais pas. Je mets tout à la troisième personne. Enfin... C'est vrai, c'est dommage, mais bon, de toute façon, Minecraft commençait vraiment à me gonfler, en fait. Je m'amuse plus du tout. Ouais, bah, faut savoir que ça fait longtemps que tu joues, hein, aussi. Voilà, ça fait maintenant peut-être 8 ans que j'y joue. Ouais, non. Un peu moins, mais... Attends, voir. Moi, je ramène toujours tout au moment où je suis arrivé ici. Mais alors là, non. C'était... Après, quand même. Mais bon, pour vous donner un ordre d'idée, j'ai joué à la 1.0 de Minecraft. Ouais. Ouais, je suis arrivé sur Minecraft quand c'était les tout débuts de Minecraft, la première release. What? Donc, c'est vieux. Je vole. Merde. Ouais, donc c'est très vieux et donc je sais qu'il y aura des déçus, hein, forcément. Après, je vais pas. Après comment? Oui, je vais peut-être reprendre la série, sûrement. D'ailleurs, c'est quasiment certain à 99,999999%. Mais par contre, ce ne sera pas en compagnie d'Eldiamond, malheureusement. Voilà. Bon après je. Ferais peut-être des petits passages sur ta... Bah non, même pas. Je dis des conneries. Mais bon, enfin... Si. Voilà, je continuerai à faire peut-être des passages sur ta chaîne, en tout cas. Non, mais, pas peut-être, c'est sûr. Voilà. Je vais te violer tous les jours. Mode pédovir activé. Et du coup, bah voilà. Et du coup, bah voilà, donc... Donc je vais pas dire, j'espère que cet épisode vous aura plu, parce que à mon avis ça va pas trop vous plaire. Voilà. Je rigole, moitié moins d'abonnés, c'est le truc, t'as un peu la haine. Donc allez voir la chaîne YouTube de Eldiamond. Ouais, c'est Rapports Insensés. Voilà. Bah, tu mettras un lien, je pense. Ouais, je mettrai le lien. Donc je te laisse. C'est... Ouais, le principe est extrêmement simple, hein. C'est-à-dire,
Vous me donnez des trucs qui n'ont rien en rapport entre eux. C'est très important. Faut vraiment que ce soit deux trucs, genre des chaussettes et mon téléphone portable. Et bah ensuite, moi, je fais un rapport entre les deux. C'est stupide, c'est marrant. Et surtout, bah, c'est un concept qui n'a jamais été fait avant. Enfin, je pense, hein. C'est original. Enfin, c'est un concept original, c'est-à-dire c'est moi qui l'ai créé. Et puis, c'est marrant. Je m'amuse bien à le faire. Puis, j'ai des très bons retours. Je pense que ça plaît aux gens. Moi, Sachant personnellement. qu'en plus, je fais des expériences cinématographiques au début et parfois à la fin des épisodes. C'est-à-dire, je fais des petits montages marrants sous After Effects et autres logiciels de montage assez sympa. Bah, en plus, voilà. En plus, voilà. C'était très très clair. C'est une explication. Voilà, claire et concise. Voilà. Donc là, je Mais suis voilà. en. Là, je suis. Donc dans l'espace YouTuber, donc un jour j'aurai ma place, ma tête sera là, là ma tête. On coupera ma tête et on la mettra là. T'sais, en un sens, il y a tellement de youtubeurs qui jouent au Minecraft que tu vas être un peu noyé dans la masse, je pense. Oh, Frigiel. Ouais, c'est vrai. Et Ouais. je me suis renseigné pour avoir le grade YouTuber et être YouTuber sur Phoenix Rebirth. À l'époque, c'était l'ancienne interface, mais bon. Il faut avoir 1500 abonnés minimum. Ouais, ça va, t'es pas loin. T'as combien, t'as derrière? 170, 170, merci beaucoup, hein. Franchement, énorme. T'es là? Vous êtes géniaux! Voilà, c'est ça. Vous êtes tout pour moi. Terriblement géniaux! Et vous êtes tellement sexy! Non, c'est pas vrai, j'ai rien dit. Vous avez tellement une grosse. Ça va? Et donc! Et donc voilà, donc la vidéo de 30 minutes pour vous dire deux mots. C'est exact. Mais ce C'est n'est pas exactement grave, hein. ce que c'est. Car avec Eldaimon, toujours dans la bonne humeur, dans la rigolade, hein. Voilà. Même pour vous annoncer des nouvelles tristes. Voilà. Mon père est mort. Voilà. On est grave. Ouais. Dangereux même. Oui. Mais Voilà. Eh bien donc nous sommes sur le serveur vous Phoenix pouvez River. arrêter la vidéo maintenant. Ouais. Donc nous sommes sur le serveur Phoenix River. Donc je vous invite à aller dessus car c'est un super serveur. Donc voilà, il y a des KTP. Donc il n'y a pas beaucoup de serveurs qui font les KTP. Ce serveur fait des KTP. Ouais, fait des KTP. Capité, ouais. KTP. Et c'est un serveur en 1.8. Allez voir la chaîne d'Eldaimon. Voilà. Je on Mais... s'excuse pour ce désagrément très triste. on peut appeler ça un désagrément. Ouais. Mais bon, je reprendrai la série quand même. Mais malheureusement, ce sera pas tout de suite et pas en compagnie d'Eldaimon. Donc voilà, c'est triste. Et je sais toujours pas avec qui je vais le faire. Mais c'est pas grave. Trouver quelqu'un qui a autant de talent que toi, Eldaimon. C'était quand? Non mais c'est vrai, hein. C'est vrai en plus. Donc voilà, c'est sur ces dernières paroles que je vous dis à la prochaine. Allez, salut! Salut. C'est trop facile, c'est même plus marrant. Le quoi, le gangbang? Non, mais c'est parce que j'ai récupéré une armure là, Ah. sinon. Je vais venir les aider pour le gangbang. Je viens de t'avouer mon attirance pour toi, Eldaimon. Voilà, tu le sais à présent. Well. Bah, je suis content parce que c'est réciproque. Donc. Non. Non. Le mec a un gros problème mental. Effectivement. Ok. Ok, on se rejoint au spawn et on tourne Ah vraiment là? putain, les bâtards. Ouais. Allez. Alors.